Notre culture regorge beaucoup de potentialités. Nous avons mis beaucoup de choses en place, mais en réalité, franchement, on ne se trouvait pas ensemble. Mais avec, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre quelque chose qui peut permettre à ce que l'ensemble des fils de ce pays, du Boitou, puisse se retrouver autour de l'essentiel, qui est notre culture. La culture en elle-même est un facteur de cohésion sociale. À travers également les activités que nous avons initiées cette année au courant de notre festival, ça permet à ce que les gens puissent travailler sur la cohésion. Quand on prend le concours de rap, le thème était très clair. Soigneté, paix, cohésion sociale. Donc à travers ça, on a vu que c'est les jeunes artistes, c'est les jeunes qui sont pétris de talent, qui sont là, qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent et qui sont en train de transmettre un message qui est très bien compris par le grand public. Festival Nika, vraiment je peux dire que festival Nika. Donc Anana vraiment Anana Nyama, donc d'une manière il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents et dans le Boitou ici il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents mais au moins manifester sur quoi, donc ici c'est une opportunité pour nous de pouvoir manifester notre talent et de pouvoir aussi donner c'est-à-dire des conseils sur la paix. Ajara to mi akwa wiye kani festival in kabo ka aku manifeste ka jaru ye ko ire e be follow me be an nyon te ya ame ba don ko to mi akwa no ya etni kelenti ya base bo bo wiye me mo chama be an che mayan no deja bela jene sona kabo kana anga na nyon soro ya no kana ni sonja ya nyon te tembe dam ne na bene la wona be ta ka nye pene il faut que anga be pour que anga nye ana tem base be ko ye be ani kelia. Le Mali, c'est un pays laïque. Il m'a donc un bé, quand on a 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 un bé, pour qu'il y ait un Mali sans corotage.